national Togo, Excellence, Monsieur le Président du Parlement de la CDAO, Madame la Présidente de la Commission des droits de l'homme, chers collègues, et Monsieur le Ministre des droits de l'homme, représentant la ministre de l'Action sociale, chers collègues députés du Parlement du Togo et du Parlement de la CDAO, je voudrais, au nom des collègues du Togo, au Parlement de la CDAO, souhaiter la bienvenue à tout un chacun de nous. Nous nous réjouissons que cette réunion de localiser ait pu se tenir à l'ONU il y a seulement 2 ans. Le Parlement de la CDAO avait tenu un séminaire sur une session de localiser depuis le Parlement au 2 février. Cela avait été une très grande manifestation et une logique totale. Alors, on dit souvent, quand on est bien accueilli, on regrette sur ce pas. C'est pour cela que le Parlement a estimé qu'il fallait une fois de plus revenir au Togo, revenir sur la terre de nos aïeux où l'accueil est chaleureux, les murs succulents, il y a de belles dames. Ah oui! De belles plaques et une ville très accueillante. Merci. Je veux donc remercier tous ceux qui ont fait le déplacement de l'ONU et particulièrement le président du Parlement de la CDAO, Cicelo, qui a bien voulu que cette réunion de localisation tienne à l'ONU. Nous le remercions pour tout le soutien qu'il a apporté au Togo pendant toute la période de la crise que nous avons connue ici. Il a fait de temps en temps des déplacements pour empêcher de l'État, de l'autorité du pays, échanger avec elle et apporter également son grain pour que la crise togolaise trouve une issue favorable. Aujourd'hui, nous remercions tous ceux qui ont contribué, tous les collègues députés et pendant la CDAO qui sont ici présents, ceux qui ne sont pas là, leur disons merci pour leur contribution. Nous savons que de temps en temps, les discussions ont été âpres, mais ils ont compris le Togo, ils ont accompagnés et nous ont suivis et par la grâce de Dieu, nous sommes aujourd'hui entrés dans une ère qui réconcilie tous les fils de ce pays, qui réconcilie toutes les filles de ce pays et nous voulons remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'apaisement de la tension sociale que nous avions connue. Alors pour terminer, je voudrais une fois de plus souhaiter que l'OMI, les portes vous sont ouvertes. Revenez quand vous voulez, comme vous voulez, et à n'importe quel moment, vous trouverez les Togolais toujours disponibles pour vous servir. Nous sommes là pour vous servir et nous le ferons de tout temps et à toute heure. Merci et bonne réunion à toutes et à tous.